c'est Wing GT. Alors aujourd'hui, c'est un unboxing de la manette filaire de combat. Donc je l'ai acheté principalement pour Smash Bros. Donc elle est reconnue apparemment comme une manette classique. Voilà. Et c'est une manette officielle parce que il y a le petit logo ici. Donc j'avais pas envie de mettre 40 euros pour l'adaptateur de GameCube et une manette de GameCube. Du coup, j'ai pris ça. C'est une bonne alternative pour 20 euros. Donc j'ai pris le modèle Mario parce qu'il n'y avait pas d'autres dans mon carrefour local. Sinon j'aurais préféré le modèle Yoshi ou même Luigi. Mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, ça c'est reconnu comme une manette classique parce que ça se branche dans la manette directement. Et là, la manette. C'est pas une manette turbo. Ça me rappelle, enfin c'est vraiment bien fait, les joysticks sont, ils ont l'air bien, ouais c'est bien, enfin, c'est mon opinion. Ici il y a un petit mode d'emploi, voilà, je vais faire une comparaison avec la manette de GameCube que j'ai. Donc la manette de GameCube, celle-là c'est une contrefaite, enfin c'est une sous-marque, je veux dire. Elles sont assez similaires, sauf que c'est les mêmes joysticks sur celle-là. Le stick, c'est ça. Et le pad a l'air un petit peu mieux que sur la manette de GameCube. Il y a un stick plus petit et un pad. Enfin, j'aime pas trop le pad. Sinon, c'est juste que ici, le bouton L. Et les boutons R, ils sont là, à la place du Z et du... À la place du... Ici, normalement, c'est le Z sur la manette de GameCube. Alors qu'ils ont remplacé. C'est juste ça, sinon, j'aime bien. Donc, voilà. Et une manette classique, ça ressemble à ça. Donc, ils ont refait ça, mais avec le design de celle de GameCube. Donc, ouais. Enfin, la manette classique est bien, mais je préfère avec le design de la manette de GameCube, vraiment. Donc, le seul truc que je reproche, c'est le ZL et ZR à la place du... Enfin, que ce soit inversé, en gros. Ensuite, cette semaine, j'ai reçu mon CD de Super Smash Bros. Parce que j'ai acheté les deux versions. Voilà. Donc, vérifiez bien si vous aviez bien reçu le vôtre. J'ai regardé les chansons, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Donc, dedans, petit dessin de... Je crois que c'est un dessin de Sakurai. Voilà. Et il y a les musiques. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je fais du contenu sur Super Smash Bros. Pour le moment et j'en ferai après. Donc, si vous avez aimé, ben voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo.